L'émission. Il a compris, il a compris ce que veulent les Français. Il a compris que les Français en avaient ras le casque de payer pour des gens qui ne respectent pas la loi. Merci. Et c'est pas un phénomène, monsieur, ce qui se passe à droite aujourd'hui. La France se droitise, c'est parce que les gens en ont marre. Ils n'en peuvent plus de voir des gamins de 14 ans leur cracher à la gueule et à la gueule de la police. Donc je suis ravie, je vous serre la main et je vous dis bravo. J'ai l'impression que vous avez un petit crush, hein. Peut-être. Ah, mais je couche sur le canapé à rentrer. Non, mais en fait, le dernier truc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse alors de ce gamin? Parce qu'en fait, si on l'avait envoyé en maison de redressement ou en prison, vous auriez gueulé, vous auriez fait que gueuler. Donc vous voulez quoi finalement? On le laisse se gambader dans la rue? Moi, je ne sais pas si ça a un lien avec les paires de testicules des uns ou des autres. Par contre, je crois que dans un état de droit comme le nôtre, il y a quelque chose qui s'appelle. Qui s'appelle la justice avec ses principes, le principe du contradictoire, le principe des droits de la défense. Attendez, je termine. Que les affaires familiales, souvent, elles relèvent de choses beaucoup plus complexes que le bien, le mal. Et quand un gamin de 14 ans pratique des actes qu'ici, personne ne cautionne, il faut s'interroger. Pourquoi les commet-il? Est-ce qu'il y a une responsabilité de la famille ou pas? Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que vous avez là une mère qui se prend pour un shérif sur Netflix et qui va jouer les La République, il y a des lois, il y a des principes et on les respecte. Sinon, Monsieur le maire n'a fait qu'écouter les Français. On fait un dictateur low cost. Ne parlez pas.